Yannick, match de préparation contre Liège, donc Bruges a perdu. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi, cette rencontre? Le problème, c'est toujours dans les matchs de préparation ou dans, pour moi, des séquences de travail. C'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs, toutes les équipes. Lui, il est sur une finalité avec un groupe qu'il connaît depuis longtemps. Moi, je suis avec un groupe où il y a 6 nouvelles déjà, 3 encore qui arrivent cette semaine, et c'est la base arrière. Donc voilà, on ne travaille pas les mêmes choses. J'ai fait tourner pour voir ce qui était possible de faire avec les nouvelles joueuses. Donc voilà, on n'a pas, pour moi, perdre, gagner du travail. Tu vois, moi, j'appellerais plutôt ça une séance de travail qu'un match. Il y en a qui appellent ça match parce qu'ils veulent bien montrer mais qu'on a perdu, c'est bien. On ne perdra pas tous nos matchs, je ne m'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as à retirer, le positif, négatif? Moi, le positif, c'est qu'on est en train de créer un groupe et avec une bonne entente malgré tout, avec un esprit club qui montre que Bruges, on a un vrai esprit, qu'on a des bonnes intentions, que les objectifs définis ont pris un petit peu, mais on est qu'en deuxième semaine de travail, hein, donc on n'est pas encore au point et que ce qu'on veut mettre en place a eu quelques petites séquences intéressantes. Voilà, c'est la priorité. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en place, le projet de jeu, quoi? Le projet de jeu, c'est le même que la saison passée. C'est d'avoir une équipe qui joue les montées de balles le maximum, avec par contre un peu plus d'intensité en défense, ce qui nous a manqué ce soir à 90%. Mais dans le reste du temps, c'est surtout d'avoir une défense un petit peu plus solide avec un peu plus d'arrêts de gardienne. Et pour aider les gardiennes surtout à avoir un peu plus d'arrêts. Et après de monter les ballons mieux, avec un peu plus d'efficacité. Mais on marque quand même 31 buts. Donc tout n'est pas négatif au-delà de ça. Moi, ce que j'ai dit aux filles, c'est qu'au contraire, il faut retenir le positif et travailler sur les parties qui ont été un peu plus difficiles. Tu le disais, l'effectif a changé. Vous avez perdu les jumelles qui avaient marqué beaucoup de buts, Margot et Juliette, l'année dernière. Comment est ton effectif maintenant? Et là, on a un effectif qui est, on va dire, plus étendu. L'année dernière, quand on a commencé, on ne savait pas à l'avance que Juliette et Margot seraient aussi efficaces. On s'est adapté par rapport à ça aussi, par rapport au travail. Cette année, c'est différent. On travaille avec un groupe donc différent, avec 7 nouvelles joueuses qui sera peut-être encore un peu étendue et qui surtout a besoin de travailler du collectif. Alors que, parce qu'au-delà des jumelles, on a surtout eu 6 départs pour des raisons quasiment personnelles pour toutes ou d'études. Donc on ne crée pas un groupe en 15 jours, loin de là, mais on est encore à 4 semaines du championnat. On a largement le temps encore de bien préparer ce qu'on veut mettre en place. D'où arrivent tes recrues? Alors, les recrues arrivent un peu partout en France. On a de Paris, de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine et des joueuses qui ne jouaient pas l'année dernière pour cause de blessure. Donc ça va vraiment étoffer le groupe quand on va être au complet à partir de vendredi. Maintenant, dans ce cadre, quels sont les objectifs de la saison? Alors l'objectif principal, évidemment, c'est de démontrer qu'on a notre place en National 3, que le groupe qui est très jeune aussi, puisqu'on a encore des filles de 17 ans dans l'effectif et 18 ans, va performer et évidemment jouer en priorité le maintien et mieux si l'occasion nous donne, on essaiera d'aller creuser. Parce qu'en plus, cette année, ça va être différent de l'année dernière. On est sur une poule de 11. Avec un match de plus aller-retour, évidemment. Mais surtout, il n'y aura pas de barrage comme ça a été l'année dernière, parce qu'on finit à 2 points de la place de 4e. Et on a, en jouant des barrages croisés, très compliqués, parce que 10 équipes avaient déclaré forfait et il n'y a pas eu de sapaginé ou quoi que ce soit la Ligue. Mais par contre, nous, ça nous a permis de développer des matchs supplémentaires, ce qui était intéressant. Mais cette année, il n'y aura pas ça. Donc la position sera la bonne. Donc il faut aller chercher 10 victoires. Et bien, on va tout faire pour aller les chercher, ça c'est sûr.